Une des dernières vidéos de l'année, si ce n'est la dernière, qui aura pour thème le récap de 2023. On commence par les copains, les anciens, les nouveaux, les rencontres avec qui on a partagé ces bons moments. Cette année 2023 nous aura offert quelques bons moments. Bon, il y a des fois où on les a créés et il y a aussi des fois où on s'est servi. Bon, vous l'avez compris, on a quand même bien profité. Bon, on n'a quand même pas fait que ça. Profiter, c'est bien, mais il faut se poser aussi un peu. On aura préparé et pris des repas de manière un peu minimaliste. Mais pas que, il faut aussi savoir se poser et profiter des bonnes choses. Quelques revues de presse au resto. Ah oui, ces vidéos, elles se sont pas faites toutes seules. Voici un peu l'arrière du décor. Ah oui, je suis bien dans la salle de bain. C'était pour laisser K se reposer. Toutes ces balades, ça creuse et ça fatigue aussi un peu. Ne vous y trompez pas, j'ai fait les photos, mais il y a des fois j'étais aussi en mode repos. Des moments de doute, à savoir qu'est-ce qu'on avait bien pu faire pour se retrouver dans cette situation. Et puis, reprogrammation à cause de la météo. En parlant de météo, on aura fait un peu de colocation avec une grenouille qui sera devenue notre grenouille météo d'ailleurs. Des moments où on n'aura pas eu très chaud, voire des fois froid, à la limite de se demander si on n'allait pas jeter l'éponge. Tant que je suis sur l'éponge, encore un partage d'une partie cachée de nos balades, oui, il faut bien laver le linge et puis le faire sécher. On aura transformé nos GS en étendoirs à linge, mais ne vous inquiétez pas, KL aime sa GS. Vu ce que j'ai fait traverser AK cette année, je crois qu'elle m'aime aussi. On aura aussi passé quelques bons moments avec les copains. Allez Yannick. Monsieur. Allez Yannick, à la tienne. Merci pour tout. Une rencontre improbable en Espagne avec ce chien qui nous aura fait passer un bon moment de rigolade. Encore les moments de partage sympa avec les copains. Parfois au milieu de rien et simplement à partager un bon pique-nique. Parfois des moments un peu surprenants, là ici avec un glaçon juste énorme ou avec un tarif d'essence un tout petit peu moins cher que chez nous.
Cette année fut aussi la sortie de la R13 Tanger S, qu'on aura essayé. Sur la route, c'est une belle machine. J'aurais fait quelques tours sur les chemins aussi, mais j'avoue, c'est pas ma tasse de thé, c'est un peu trop raide pour moi. J'attends avec impatience la GSA. . 2023 a eu aussi son lot de changements. K est passé d'une F750 GS à la 1250 GS Trophy. Que du changement positif. Nouvelle GS, nouveau test sur les chemins. Ah oui, obligé, c'est quand même une GS. Arrêtons de parler de nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a vu de beau cette année? Commençons par les paysages. À couper le souffle, tellement c'est beau. Cette année nous aura fait aussi découvrir ou redécouvrir des lieux magnifiques. Un de nos plus beaux lieux visités sur cette année 2023, la cité médiévale de Rocamadour. Bon là, j'ai pas pu m'empêcher. Hormis ce beau château, il n'y a rien à cirer. Classé dans les plus beaux villages de France, et je le confirme, le village de Martel, c'est vraiment très très beau.
Un autre de nos lieux préférés sera le pont de Miré, un pont qui traverse la Dordogne avec un plancher bois. C'est plutôt particulier et c'est un pont de type chacun son tour. Pour accéder à tous ces lieux et tous ces beaux paysages, nous avons emprunté des toutes petites routes, parfois même des ruelles où avec la GSA et les valises, je me suis senti un petit peu à l'étroit. Des routes revêtues, mais pas que. L'accès aux routes non revêtues autorisées permet d'accéder à des endroits magnifiques. Les quelques jours passés dans les Pyrénées espagnoles, principalement sur des routes non revêtues, m'ont permis de découvrir des endroits plus beaux les uns que les autres. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective 2023. Il nous reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Soyez prudents et nous, on vous dit à l'année prochaine pour de nouveaux trips.